Voilà. Écrit n'a pas écrit, dessin n'a pas fait. Pour écrit. Ou pas venir à dire, ou pas prendre un bic, ou pas prendre un site, ou pas prendre une maquette. Pour écrit. Ou toujours dans le sommet, psychologie pour la paix. Comment psychologie capable de faire action pour construire la paix? Non, pas obligé. Ou pas, il va obligé pour signer non, pas obligé. Mais ou libre. Ou libre. Ou libre. Pascal Mirbechol, monsieur actuel président de l'association haïtienne de psychologie. Ça qui explique la présence dans le département Nord là. Bon, ça qui explique la présence dans le département Nord là, c'est parce que nous pensons que le département Nord là nous représente la grandeur de Haïti. Et nous regardons tout ça qui est construit dans le Nord là. Et nous voyons que plus fort dynamique que tout le monde fait dans le c'est extrêmement important pour nous. Pour nous faire un lieu historique qui montre la grandeur de Haïti. Et pour nous faire l'autre département, pour nous capables de faire décentralisation comme c'est santé mentale là, pour nous capables d'atteindre plus. Yon sommet sur psychologie qui s'allie exactement. Donc, sommet ça, c'est un sommet sur psychologie la paix. C'est-à-dire l'idée, c'est pas faire un sommet sur psychologie seulement, mais c'est faire un sommet sur psychologie la paix. Côté que là, nous allons essayer de regarder qui origine, qui source conflit, qui source et violence que nous vivons dans le pays. Nous allons plus loin, nous pas seulement dans le moment présent, nous allons dans l'histoire, nous allons dans la culture, nous allons dans la question identitaire, nous allons dans différents aspects pour nous capables et nous éviter différents professionnels. Tout. Ça y est, même dans son sommet, et psychologue qui a fait, mais nous avons économiste, nous avons anthropologue, nous avons sociologue, nous avons un médecin. Donc nous c'est vraiment un bail qui est global parce que nous pensons que tout acteur ça reste extrêmement important dans la construction de la paix durable que nous avons besoin. Est-ce que c'est le premier sommet que ça fait dans le pays? C'est le premier sommet nous faisons sur la psychologie de la paix. Nous avons habitué à faire l'autre sommet et sur l'autre thématique psychologique comme la dépression, l'anxiété, je ne sais pas ça. C'est le premier sommet sur la psychologie de la paix. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai l'autre monde qui fait sommet, l'autre organisation qui s'est rebâti santé mentale. Et qui est avec nous là, comme c'est rebâti santé mentale. Oui, l'unification a été passé un an. Donc un an, on a pensé, on a réfléchi. Et nous mettons 4 mois sur place pour nous faire toute logistique qui est passée. Pour nous réussir aujourd'hui. Nous avons commencé le 12 janvier. Parce que nous tous connaissons pour qui raison nous avons décidé pour commencer un sommet l'appel 12 janvier à propos de 13 ans de tremblement de terre ça qui permet que nous fassions un mémorial de lui-même en même temps que nous avons commencé la paix. Qui type de monde nous avons invité dans le participants? Bon, nous t'ai invité, nous avons dit nous avons des speakers qui sont aux États-Unis et en Haïti, pour nous comme ça tout, et nous sorti tout partout. Nous avons des speakers qui sont Boston, Atlanta, New York, Miami, qui étaient là avec nous. Et nous avons des participants, tout, nous avons invités qui sont à ce moment-là que nous connaissons, qui étaient sortis Tigouave, qui sont à Caye, qui sont Port-au-Prince, qui sont dans tout partout dans Nola en même temps. Et nous avons des organisations qui travaillent dur sur l'aspect de la paix et qui fait partie du programme en même temps. Donc ce n'est pas seulement les participants, mais des organisations qui permettent nous pour nous montrer que nous avons parlé du programme de la paix, mais que des gens déjà souterrains qui travaillent dur sur l'aspect ça. So, même s'il semblait que nous n'avons pas pays qui parle de la paix, il y a des gens qui travaillent en pile sur ce domaine ça. Est-ce que c'est un thème général, un thème central? Thème central là, c'est vraiment construire la paix. C'est construire la paix premièrement d'abord la caille nous, dans tête nous, avec propre santé nous, propre propriété pas nous. Deuxième c'est dans famille nous. Troisième c'est dans communauté côté n'a vivre là. Et quatrième là c'est dans pays. Ouais. Donc nous welcome ça. C'est pas seulement un bagage que nous devons faire seulement. Un jour, ça a créé son mouvement lié. Nous supposons qu'un programme la paix qui a fait dans chaque département, chaque mois. Chaque monde supposé gagner ça, prendre en charge pour nous assurer que
et programme la paix, c'est pour un bagage que nous faisons un moment, et puis après ça, nous avons retourné, comme si tout bagage en forme. C'est un bagage que nous avons continué, et nous voulons commencer l'année 2023. Un message que nous voulons passer, que nous dit, nous décidons comme psychologue que année ça, nous allons commencer avec la paix. Nous ne pouvons pas faire back, nous ne pouvons pas retourner dans la même situation que nous avons. Non, c'est qui est. Ça que nous disons après ce message. So, après ce message, nous tous nous avons une équipe pour nous créer un plan. C'est ça, Dr. Judith Blanc, tu as parlé sur le panel LIA. Pour nous détailler le plan que nous avons. C'est qui gens nous allons continuer de travailler ça avec des partenaires comme la Cour la Paix, avec toute l'autre organisation, Fondation Toya, toute l'autre organisation qui a fait travail dans l'aspect la paix. Qui gens nous allons mettre main ensemble pour nous assurer que nous avons des programmes qui ont fait sur la paix dans chaque département. Ouais, donc, ça c'est commencement, mais il parle à fin. Comme dit à nos pas M. Dr. Guéda Nicolas. Rappelez-nous encore le nom et institution que vous avez organisé d'avoir activité ça. Oui, nos organisations, deux organisations, PAMLAN, c'est Rebâti Sentimental. Maladi PAMLAN, parce que nous faisons partie de même organisation. Et l'autre, là, c'est l'association haïtienne de psychologie. D'accord. Nous avons un mot pour terminer l'interview. Je pense que pour moi-même, c'est un beau plaisir que nous toujours faisons partnership avec l'association. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, ce n'est pas la dernière fois que nous travaillons ensemble. Mais je pense que le message que nous devons transmettre à propos de sommet, ça, c'est que créer un programme de la paix, créer la paix dans la société panouane concernant nous tous. Ce n'est pas seulement les psychologues qui ont fait ça, mais tous. Moun, chaque moun, toute organisation et tout moun, n'importe côté où y est, nous avons une responsabilité pour nous assurer que nous avons la paix dans la vie, nous, que nous créer la paix dans la famille, nous, que nous créer la paix dans le côté de la Bible et nous créer la paix dans le pays. Donc nous demandons à tout le monde pour venir ensemble pour nous assurer que ensemble, comme j'ai ce lundi matin, comme on combite, je pense que nous arrivons plus loin. Très bien, merci. Donc, Marin, pour me dire que même Marin, il faut nous combite, il faut nous travailler ensemble, il faut nous reprendre fierté, nous, on est tête, nous, remettre tête, nous. Donc, ça fait, on parle un peu d'éducation dans le sommet, éducation pour la paix, qui commence depuis dans tout le monde. Et nous-mêmes, nous croyons, comme nous travaillons avec le monde, nous croyons que le monde, si on joue une bonne condition, il est capable de changer le comportement, il est capable et contribuer à la paix. Donc nous-mêmes, c'est World Psychologie dans la construction de la paix en Haïti. Et Guéda avec moi, c'est pour ça que nous avons et pour ça que nous travail. Merci. Merci à Pile. Nous tous, en tant que professionnels en santé mentale, nous mettons main ensemble dans le partenariat, nous avons l'autre Haïti, nous avons l'autre école, nous avons l'autre société, nous avons l'autre approche, et c'est le ça que nous avons connu la paix. Merci. Est-ce que le baril est capable de parler là? Vous pensez à travers.